السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ خطبے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے خطبات سے استفادہ کرتے ہوئے La semaine dernière, en profitant d'un sermon prononcé par le deuxième calife, j'ai mentionné les raisons qui nous empêchent de nous réformer. J'en ai évoqué deux parmi ces raisons. Je mentionnerai aujourd'hui les autres obstacles importants qui nous empêchent de nous réformer. Le troisième obstacle qui entrave la réforme est le fait de prendre en considération des enjeux à court terme. Et les choses qui ont trait à la doctrine, à la croyance, concernent le long terme, et cela concerne la vie dans l'au-delà. Et comme je viens de le dire, en ce qui concerne les actions de l'homme, eh bien, cela concerne l'immédiat, où l'homme pense que ses actions, qui concernent le court terme, n'ont aucune relation avec sa doctrine. Il se dit que si je commets un péché, cela n'aura aucune incidence sur la croyance en l'unicité de Dieu. Un bijoutier, par exemple, peut croire qu'en mélangeant de l'or avec d'autres métaux, cela ne portera pas atteinte à sa croyance en Dieu l'unique. Cela n'aura aucune incidence sur sa croyance en Dieu, mais sa marge de profit sera plus grande et il va s'enrichir davantage, il va s'enrichir au plus vite par ce moyen. Ainsi, en se souciant de ses avantages à court terme, il a choisi une voie qui le pousse à être coupable non seulement d'un acte immoral, mais il est aussi coupable de vol et d'escroquerie. Il a commis cette action parce qu'il pense que cela n'aura aucune incidence sur sa foi, cela n'aura aucune incidence sur sa doctrine, et que cela n'a aucune relation avec ses croyances. Il y a aussi ces grands hajis, ces personnes qui ont accompli le pèlerinage, mais qui arnaquent les gens, et qui sont fiers d'avoir accompli le pèlerinage.
lorsqu'ils sont en train d'arnaquer les gens, lorsqu'ils sont en train de commettre ces escroqueries, ils oublient qu'il y a une autre vie dans l'au-delà, où ils n'accordent pas d'importance à cette vie dans l'au-delà. Et ils oublient que les actions qu'ils ont accomplies auront un effet sur la vie dans l'au-delà. L'avantage que procure l'enseignement apporté par le prophète ou la question du salut sont des choses qui apparaissent très lointaines pour la plupart des gens. La chose qui accapare leurs sentiments et leur cœur sont les avantages immédiats et une satisfaction immédiate. C'est pour cette raison que le bijoutier mélange d'autres métaux avec l'or, et c'est pour cette raison qu'il ne donne pas bonne mesure lorsqu'il donne de l'argent, et les commerçants, quant à eux, mélangent les produits qu'ils vendent avec des produits de qualité inférieure. L'industriel, quant à lui, prend des commandes pour un modèle et donne un produit fini qui sera de qualité inférieure. Ces arnaques sont courantes dans les pays du tiers-monde. Ainsi, les avantages matériels sont des obstacles à la réforme et les avantages immédiats que procurent la fraude, le mensonge et l'arnaque font disparaître du cœur les conséquences néfastes qui se manifesteront à long terme. Le deuxième calife a cité d'autres exemples. La médisance, par exemple, est un très grand péché. Si, par exemple, le supérieur hiérarchique d'un employé tourmente ce dernier, si le supérieur le persécute, mais que le subalterne, quant à lui, ne prend aucune mesure contre son supérieur, mais qu'un jour, par hasard, il rencontre le patron de son supérieur, et le patron commence à se plaindre du supérieur de cet employé. L'employé qui était tourmenté par son supérieur sera ravi d'avoir trouvé l'occasion qu'il cherchait. Et il commence à critiquer son supérieur qui le tourmentait. Et il commence à présenter ses défauts à son patron pour le rendre encore plus furieux. Et l'employé, dans ses déclarations, n'hésite pas à faire des amalgames du vrai et du faux afin qu'il puisse se venger. Et il se dit que si aujourd'hui je ne profère pas ces médisances, eh bien ma vie et mes biens seront toujours en danger. Et c'est pour cette raison qu'il commence à médire sur l'autre afin d'avoir quelque avantage ici-bas. Ainsi, l'homme est capable de commettre des péchés pour des avantages matériels. Le quatrième obstacle dans la voie de la réforme sont les habitudes que l'on a prises. L'action a trait à l'habitude, et c'est en raison de ces habitudes que l'on faiblit dans ses actions. Cela se passe surtout lorsqu'il n'y a pas de relation entre la religion et l'autorité en place. C'est-à-dire que l'autorité en place ne soutient pas la religion. Et grâce aux lois mises en place par les autorités gouvernementales, on arrive à un certain point à se corriger, à se réformer. L'islam a condamné de nombreuses actions immorales et a prescrit des réformes à ce sujet. Mais malheureusement, dans les pays dits musulmans, où règne l'injustice et la duplicité, en dépit de l'existence d'une autorité islamique, la situation dans ces pays musulmans est fort inquiétante. La situation concernant les actions est fort inquiétante dans ces pays. Et dans les pays non musulmans, ces actions immorales qui exigent la réforme ne sont pas considérées comme des péchés,
comme de l'immoralité. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de réforme dans ce domaine. Ainsi, les autorités ont un rôle important à jouer dans la réforme. Là où l'autorité en place ainsi que la religion présentent la même définition de la réforme et que l'on prend des mesures appropriées pour changer les habitudes, là-bas, en raison de la loi, on arrive à mettre fin à ces actes immoraux. Mais là où la loi du pays ne soutient pas la réforme des actions, l'on ne pourra pas changer ses habitudes. Et ces péchés seront des fléaux dans la société. Et dans les pays développés, au nom de la liberté, nous constatons qu'il y a des péchés qui sont commis partout. Et par le biais des médias électroniques, maintenant, ces vices et ces péchés se répandent dans les quatre coins du monde. Et ceux qui grandissent dans ces sociétés, ceux qui font partie de cette société, étant donné qu'ils voient tout cela quotidiennement, étant donné que cela fait partie de leurs habitudes, et ils sont eux aussi victimes de ces faiblesses morales. Et inconsciemment et inintentionnellement, les jeunes et les adolescents, les garçons et les filles, sont victimes de ces faiblesses. Et une fois que ces habitudes ont pris racine, il est difficile de s'en débarrasser. Il y a par exemple la consommation de la drogue. Une fois que l'on est accro de la drogue, il est impossible de s'en débarrasser. Une personne peut sacrifier sa croyance en trois dieux pour accepter l'existence d'un dieu unique. Et il est impossible qu'il accepte un jour l'existence d'un dieu unique pour que le lendemain il commence à rendre culte à trois dieux différents. Mais celui qui est accro de la drogue, quant à lui, sera toujours préoccupé concernant sa prochaine dose. L'on peut abandonner les croyances que l'on a entretenues tout au long d'une vie, mais si l'on s'est accoutumé à des drogues pendant quelques mois ou pendant quelques années, dès que l'on s'en privera, l'on ressentira les symptômes du manque et d'autres troubles. Il y a par exemple ceux qui fument la cigarette, et parmi eux, il y a ceux qui ont embrassé la Jamaat Ahmadiyya. Ces personnes ont été capables d'abandonner leur famille, leurs frères et sœurs, leurs parents. Ils ont été capables d'abandonner leurs femmes et leurs enfants et ont consenti à de grands sacrifices afin d'accepter l'Ahmadiyya. Mais dès qu'on leur demande d'abandonner la cigarette, ils cherchent des milliers de prétextes. Ils disent qu'ils auront des troubles digestifs, ils auront des troubles de sommeil. En raison de l'accoutumance, ils disent qu'ils ne seront pas capables de réfléchir. Cela ne concerne pas uniquement ceux qui ont embrassé l'Ahmadiyya. Il y a des personnes qui accomplissent des œuvres fort louables et qui font de grands sacrifices, mais qui n'arrivent pas à abandonner ces petites habitudes. Hadrat Muslim Aoud, le deuxième calife, a cité l'exemple d'un de ses oncles paternels qui était un athée. Il y avait certains Ahmadis qui venaient visiter le Messie premier l'Islam, des amis qui avaient l'habitude de fumer le narguilé. Mais il n'y avait pas de narguilé chez le Messie premier l'Islam. Mais cet oncle fumait le narguilé et il était aussi accoutumé à d'autres drogues. Et ces Ahmadis qui avaient l'habitude de fumer le narguilé portaient chez lui pour en consommer. Et en raison de cette habitude, ils étaient contraints d'écouter les propos vulgaires et dégradants de cet oncle qui leur offrait le narguilé. Une fois, le premier calife a demandé à cet oncle si jamais il avait accompli la prière. Il a répondu que « Depuis que je suis tout enfant, lorsque je vois quelqu'un se prosterner, eh bien cela me fait rire ». Cela voulait dire qu'il aimait se moquer des gens qui se prosternaient lors de la prière.
Le deuxième calife rapporte que de nombreux Ahmadis partaient chez cet oncle pour consommer le narguilé. Et ils étaient contraints d'écouter tout ce qu'ils disaient contre l'islam et tout ce qu'ils disaient contre la communauté. Un jour, un Ahmadi qui était parti chez lui est retourné de sa maison en se condamnant, en se traitant de tous les noms. Quelqu'un lui en a demandé la raison. Il a répondu, en raison de ce narguilé, en raison de cette malédiction, j'ai été contraint d'écouter des paroles que je n'aurais pas endurées dans la vie courante. Ainsi, ces habitudes peuvent être la cause de l'humiliation. Certaines personnes ont l'habitude de mentir. On peut les conseiller des milliers de fois, on peut les surveiller de très près, mais ils ne cessent de mentir. Il est difficile de les réformer, ces personnes. Cela ne veut pas dire qu'il est impossible de les réformer. Si l'on ne peut pas réformer ces gens, pourquoi essayer de les conseiller? Pourquoi prodiguer des conseils à ce sujet? Pourquoi prononcer des sermons à ce propos? Dieu nous a donné l'ordre de conseiller et de ne jamais baisser les bras. Et s'il existe une once de foi dans la personne concernée, le conseil aura de l'effet. Voilà ce que Dieu nous a dit. Il a dit qu'il faut toujours conseiller les croyants car le conseil est avantageux pour les croyants. Le deuxième calife a cité l'exemple d'une personne qui proférait des injures à tort et à travers et dans chacune de ses phrases. Et il n'était même pas conscient qu'il était en train de proférer des injures. On s'en est plaint au deuxième calife. Celui-ci a appelé le concerné. Et il lui a dit que j'ai entendu dire que vous proférez des injures à chaque fois que vous parlez. L'autre, en lâchant un juron, a dit, qui dit que je profère des injures? En faisant quelque chose par habitude, donc, l'on n'est même pas conscient de ses actes. Et en raison de leurs habitudes, certains perdent toute conscience de leurs actions. En raison de leurs habitudes, ils perdent leur conscience. Mais si l'on désire faire renaître cette conscience qui a disparu, on peut faire renaître cette conscience. On peut réformer cette personne. En tout cas, les habitudes sont un obstacle important sur la voie de la réforme. Nous constatons qu'il y a aujourd'hui des personnes qui sont friandes des films indécents. Ils regardent cela sur Internet et ils sont comme intoxiqués par ces films. Ils n'arrivent même plus à manger. Ils resteront là, devant l'écran, devant Internet, sans bouger, et vont regarder ces films. Même s'ils ont sommeil, ils vont continuer à regarder l'écran. Ils ne vont pas se soucier de leurs femmes, de leurs enfants. Ainsi, ces mauvaises habitudes sont de grands obstacles dans la réforme de ces actions. Le cinquième obstacle dans la réforme sont sa femme et ses enfants. Dans nombre de cas, les souffrances qu'endure sa femme, les souffrances qu'endure ses enfants mettent une personne en épreuve. L'islam nous interdit, par exemple, de détourner l'argent de quelqu'un. Si quelqu'un, par exemple, a confié à la garde d'un autre une somme qui lui appartient et qu'il n'y a pas de témoin, qu'il n'y a pas de preuve, et que celui à qui on a confié cette somme l'utilise pour subvenir aux besoins de sa femme et de sa femme, il le fait avec de mauvaises intentions. Il se dit que je n'ai pas d'argent pour donner à ma femme qui m'en a demandé. Ou il peut se dire que je n'ai pas d'argent pour offrir ce dont mon enfant avait besoin. Et ainsi, il profite de cet argent qu'on lui a confié. Il détourne cette somme afin de subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants.
Si par exemple son enfant était tombé malade et qu'il n'a pas d'argent pour le faire traiter, eh bien il utilise cette somme pour faire traiter son enfant et il dépense de cet argent. Il a dit que je vais faire traiter mon enfant et je vais voir après si je vais rembourser cette personne ou pas. Ou des fois, l'on détourne d'autres sommes pour dépenser sur sa femme et ses enfants. On détourne l'argent d'un autre pour dépenser sur sa famille. Ce genre de détournement est une infraction aux enseignements de l'islam. L'islam déclare que le dépositaire doit remettre à son propriétaire la somme qui a été confiée, même s'il y a eu des témoins ou pas, même s'il y a des preuves ou pas. Dans d'autres cas, certains détournent les biens des orphelins et qui ne sont pas encore arrivés à maturité afin de bâtir la fortune de leurs enfants, ou ils détournent une partie de l'argent de ces orphelins. Mais cela ne concerne pas uniquement des questions d'argent. Nous voyons certains exemples ici, dans ces sociétés où règne la paix et où il y a le progrès. Cela concerne des parents qui habitent ici dans ces pays, mais cela concerne aussi les pays moins développés aussi. Il y a ces parents qui, en raison de leur affection outrancière à l'égard de leurs enfants, en raison de leur indulgence envers leurs enfants, ne contraignent pas leurs enfants à respecter les règles de l'islam. Je dois ajouter ici qu'à mon grand regret, malheureusement, ce sont des faits qui sont constatés dans la société Ahmadie. Ce sont des choses que nous voyons de temps en temps. Il y a par exemple celui-là qui a détourné l'argent qu'on lui avait confié. Il y a un autre qui va détourner l'argent qui revient à un orphelin. Et il y a un autre qui va tromper les autres dans ses transactions financières. Ce sont des cas qui sont présentés à la Raza. Par exemple, quelqu'un issu d'un pays développé qui va marier sa fille au Pakistan, le premier jour, il va dire à son gendre, « Ma fille a été très choyée et elle est libre de faire ce qu'elle veut et aucune restriction ne doit être placée sur elle. » Et c'est ainsi que le père monte la tête de la fille. Et la fille, quant à elle, n'accorde aucun respect à son mari, alors que l'islam préconise que la femme doit s'acquitter de ses devoirs envers son mari et doit assumer ses responsabilités à la maison. Cela fait partie de ses devoirs. Dans d'autres cas, les jeunes hommes vont se marier au Pakistan et une fois qu'ils ont apporté leur femme de là-bas, ils les persécutent à la maison. Et les parents du jeune homme disent que la femme va tout endurer de toute manière et que les hommes agissent toujours ainsi. Ainsi, cette indulgence des parents à l'égard de leurs enfants détruisent les actions de ces parents et cela détruit aussi la paix au sein de ces couples. Il y a d'innombrables exemples de ces questions de la réforme qui concerne sa relation avec sa femme et ses enfants. Des cas où la femme et l'enfant deviennent un obstacle à la réforme de sa personne. Et dans de nombreux cas, ses actions mettent à nu ses faiblesses. Car l'amour que l'on a pour sa femme et ses enfants, ou le fait de subvenir à leurs besoins, deviennent des obstacles sur son chemin. L'affection qu'on a pour ses enfants, sa femme, deviennent un obstacle de l'accomplissement de bonnes œuvres. Et l'on donne de faux témoignages en faveur de ses enfants en raison de l'amour que l'on a pour ses enfants. Il y a une autre maladie qui affecte surtout les pays du tiers-monde et les pays pauvres. Là-bas, les fonctionnaires prennent des pots de vin. C'est là une maladie courante. Ils ne prennent pas ces pots de vin uniquement pour leur personne, mais pour bâtir les fortunes de leurs enfants. Ils acceptent ces pots de vin pour payer
leurs études dans des écoles privées qui coûtent cher. Ainsi, ces relations qui reposent sur l'émotion sont de vraies entraves à la réforme de ces actions. Ces relations deviennent donc des obstacles sur la voie de la réforme. Et l'on pourra se réformer quand l'amour pour Dieu aura préférence sur l'amour pour sa femme et ses enfants. Cela pourra se faire lorsque l'amour pour Dieu aura prééminence sur toute émotion qui ont trait à sa femme et à ses enfants. Et lorsqu'on pourra se libérer complètement de l'effet de ces relations. Sinon, la réforme de ces actes sera impossible. Le sixième obstacle dans la voie de la réforme est le fait de ne pas surveiller de manière constante ses actions. C'est-à-dire que l'on doit à tout instant être conscient de ses actes. Et c'est là que l'on pourra se réformer. Avant toute action, l'on doit se demander si les conséquences de cette action seront positives ou pas, si on a la permission d'accomplir cette action ou pas. On doit aussi se demander si l'on est en train de suivre la directive du Messie premier l'Islam qui préconise de ne pas enfreindre un seul des 700 commandements du Saint-Coran. Il y a un ordre important qui est de faire preuve d'intégrité sur son lieu de travail. Le commerçant, un simple ouvrier, tous deux ont reçu l'ordre de faire preuve d'intégrité. Tous deux ont reçu l'ordre de faire preuve d'honnêteté et d'intégrité. Un commerçant a plusieurs occasions pour faire preuve d'honnêteté. Il peut vendre un produit de qualité inférieure à un client non avisé, ou il peut lui vendre quelque chose à un prix plus cher, ou il peut ne pas lui donner la bonne mesure. Ces fléaux sont moins courants ici, dans ces pays développés, mais ce sont des fléaux que l'on voit surtout dans des pays moins développés. En vendant un produit à un client, le commerçant profite de son ignorance afin de se faire du profit. D'aucuns pensent que si à chaque client qui se présente, je donne tant de grammes en moins, eh bien, à la fin de la journée, j'aurai fait tant de profit. Et des fois, en voyant le besoin urgent du client, l'on profite de la situation pour en tirer un maximum et pour multiplier ses profits. De toute manière, cela est contraire à l'éthique du commerce. Mais l'islam a aussi sévèrement condamné pareille action. À propos du profit, je dois ici ajouter que lorsqu'on a établi la ville de Rabwa au Pakistan, le musulman Maud, Radhiyallahu anhu,
a conseillé les commerçants Ahmadis de garder une marge de profit moindre et c'est là qu'ils auront beaucoup de clients. Mais ces temps-ci, je reçois des doléances de Rabwa. On dit que les commerçants Ahmadis de Rabwa ont élevé à tel point leur marge de profit que les gens vont à Tignoud pour leur achat. C'est-à-dire maintenant, l'argent des Ahmadis tombe maintenant dans la poche des autres au lieu de tomber dans la poche des Ahmadis. Et ce sont les commerçants de Rabwa qui sont coupables de cette situation. Ainsi, nos amis commerçants Ahmadis doivent réfléchir en ce sens et se réformer. Cela ne concerne pas uniquement Rabwa, cela concerne tout Ahmadi. Là où il se trouve, un commerçant Ahmadi doit être toujours intègre. Il doit donner pleine mesure. Il doit informer son client s'il y a des défauts dans le produit qu'il désire acheter. Ses profits doivent être raisonnables. Ses profits doivent être moindres. Grâce à cela, par la grâce de Dieu, son commerce sera béni et ne subira pas de pertes. Il est important aux Ahmadis, quel que soit leur domaine professionnel, de faire briller la beauté de leur intégrité et de se souvenir à tout instant des préceptes que je viens d'évoquer. Et c'est là que l'on pourra se réformer. L'on doit à tout instant se souvenir de ces points, à savoir que je dois accomplir telle ou telle œuvre afin de me réformer. Il y a d'autres péchés à l'instar du mensonge. L'on doit à tout instant surveiller ses propos afin qu'il n'y ait pas un relent de mensonge dans ce que l'on dit. Il y a aussi le cas des autres commerçants qui sont négligents. À l'heure de la prière, l'un des commerçants ferme son magasin pour partir prier, mais l'autre ne ferme pas le sien afin d'avoir les clients du premier au cours de ce laps de temps. Ainsi, d'une part, il y a celui qui se soucie de ses œuvres et part accomplir la prière, mais d'autre part, il y a l'autre commerçant qui se soucie de ses profits et de ses avantages matériels. Il se soucie de ses profits au lieu de penser accomplir de bonnes œuvres. Ainsi, il ne se soucie que de ses avantages matériels. Il y a eu des doléances à propos des commerçants de Rabwa. Il y a eu des doléances dans le passé. Il est dit qu'ils ne fermaient pas leur magasin à l'heure de la prière. Selon le dernier rapport que j'ai reçu, ils ont tous promis qu'ils vont le faire à l'avenir, Inch'Allah. Qu'Allah fasse qu'ils puissent respecter leurs promesses. Cela concerne aussi les commerçants de Qadian. Et bientôt va se tenir la Jalsa Salana de Qadian. Ces Ahmadis commerçants de là-bas doivent penser en ces termes. Ils ne doivent pas se soucier des clients qui sont venus de l'extérieur et oublier leurs obligations. Ils doivent fermer leur magasin et leur échoppe à l'heure de la prière. Et partout dans le monde, les Ahmadis doivent agir en ce sens. Ils doivent être très vigilants à propos de leurs devoirs. L'exemple de ces rappels constants concernant la réforme est à l'exemple d'un cavalier qui se trouve sur un coursier rapide. Si le cavalier ne s'accroche pas fermement à son cheval, ce cheval pourra le jeter à terre. Ainsi, il incombe aux croyants de surveiller à tout instant leurs actions. Il doit en être ainsi. Il ne doit faire preuve d'aucune négligence à aucun moment. S'il est négligent, eh bien, il pourra perdre son statut de croyant et il tombera et ne pourra se réformer. Ainsi, il faut à tout instant être vigilant concernant ses actions et c'est là que l'on pourra se réformer. C'est en étant vigilant que l'on pourra se réformer.
Une fois que l'on se penche dans la direction du péché, l'on ne cessera de s'empêtrer dans le péché. Ainsi, il faut surveiller ses actions afin d'éviter le péché. Quand on surveille ses actions afin d'éviter le péché, on se cache sous un voile. Et lorsqu'on n'est plus sous ce voile, eh bien, l'on est assailli de péché de part et d'autre. Il y a aussi un exemple qui concerne les femmes, concernant le port du voile et des vêtements modestes. Si l'on s'en est débarrassé, eh bien, l'on va s'éloigner très loin. Il y a eu des femmes âgées qui ont quitté le Pakistan pour aller vivre chez leur fille en Australie. Et en voyant que leur fille ne respectait pas les règles de la modestie islamique, ses mères les ont réprimandées en leur disant de porter au moins des vêtements modestes, de porter une écharpe. Et certaines de leurs filles qui ne respectaient pas les règles de l'apartheid ont répliqué que c'est une infraction sérieuse ici de porter de tels vêtements et vous devez vous aussi ne pas en porter. Et par peur d'enfreindre la loi, ces mères qui étaient venues du Pakistan et qui se couvraient ont cessé de porter ces voiles, de porter ces vêtements modestes, alors qu'elles avaient l'habitude de le faire tout au long de leur vie. Alors qu'en Australie, il n'y a pas de telle loi, ce n'est pas un crime de porter ces vêtements modestes, ce n'est pas une restriction, et personne ne dit rien à ce propos de toute manière. Certaines jeunes femmes, certaines jeunes filles ne respectent plus la modestie islamique, tout simplement parce qu'elles veulent suivre la mode. Il y a une jeune femme qui s'est mariée là-bas et qui est du Pakistan et qui m'a dit qu'on lui a contraint d'abandonner le port des vêtements islamiques ou qu'elle a été influencée par la société, par le milieu. Et elle a abandonné ses vêtements qu'elle portait auparavant, des vêtements modestes. Lors de ma tournée, elle m'a écrit que vous avez prononcé un discours chez les dames concernant la parda, la modestie islamique. Et elle a dit que je portais la parda lors de cette session et je continue à le faire et je prie pour que je sois constante à cet effet. Et elle m'a demandé de prier en ce sens. L'on est en train de négliger ce commandement tout simplement parce que l'on ne fait pas des rappels à ce sujet. L'on n'est pas en train de faire des rappels constants à ce propos. On n'en fait pas dans les maisons. Ainsi, pour se réformer, il est important de faire des rappels constants à ce sujet. Le septième obstacle dans la voie de la réforme est que les relations que l'on a avec les autres et le comportement des autres ont prééminence sur la crainte que l'on doit éprouver pour Dieu. Dans nombre de cas, la convoitise, l'amitié, les liens de parenté, ou des fois, l'animosité que l'on éprouve et l'inimitié que l'on éprouve pour quelqu'un nous empêchent de mettre en œuvre ces qualités. J'ai cité l'exemple de l'honnêteté, du fait de respecter ses engagements. Et dans nombre de cas, on néglige cela et l'on ne comprend pas que Dieu a donné cet ordre. Et l'on juge selon la situation. On se demande quel sera l'effet de l'honnêteté que je vais démontrer en faveur de mes amis ou en faveur de mes ennemis. Et les gens ne disent pas la vérité pour ces raisons. Ils ne disent pas la vérité parce que Dieu a donné cet ordre, mais en disant la vérité, ils se demandent si cette vérité va affecter mes amis, mes proches. Cette vérité que je vais dire va-t-elle affecter mes amis et mes proches? Et dans d'autres cas, un tel va témoigner contre un autre parce que ce dernier a nui à ses intérêts en une occasion. Il va se dire, voilà, j'ai eu l'occasion de me venger et je vais témoigner contre lui aujourd'hui. Ainsi, ses actions sont affaiblies. Il y a ces manquements dans ses actions parce que l'on n'éprouve plus cette crainte pour Dieu. Il faut à tout instant éprouver cette crainte de Dieu, il faut se souvenir de cet ordre de Dieu, à savoir que l'on doit être prêt à témoigner contre soi-même, contre ses proches, contre ses parents, et l'on doit toujours accorder préférence à la vérité. Le huitième obstacle sur la voie de la réforme est que l'on ne pourra pas se réformer tant que l'on n'a pas réformé les membres de sa famille.
Ainsi, l'honnêteté que l'on est censé démontrer ne sera pas d'une norme élevée tant que l'on n'a pas le soutien de sa femme et de ses enfants. Le chef de la famille peut être quelqu'un dont les biens sont licites, mais si sa femme est en train de détourner les biens de ses voisins, s'il est en train d'usurper les biens des autres, ou si son fils est en train de prendre des pots de vin et apporte cet argent chez lui, eh bien les provisions de cette maison ne seront pas licites. Cela concerne en particulier ces familles élargies, où il y a plusieurs familles qui vivent ensemble, et où tout le monde contribue pour leurs dépenses. Cela concerne aussi les autres actions. Tant qu'il n'y a pas cette pureté dans l'action de tout le monde, tant qu'on n'apporte pas des améliorations dans ses œuvres, l'on sera influencé par les autres. Si l'épouse est vertueuse, mais que le mari n'a pas des revenus licites, eh bien c'est toute la famille qui sera affectée. Si le père est vigilant concernant ses prières, mais s'il n'encourage pas ses enfants à en faire de même, ou si le père encourage les autres à prier, mais que la mère est négligente à ce sujet, ou vice-versa, et que le père ne prie pas, eh bien, les enfants vont imiter leur père. J'ai cité cet exemple dans mon précédent sermon. Dans le Saint-Coran, Allah a déclaré « Qu'u anfusakum wa ahlikum nara » C'est-à-dire qu'il faut se protéger soi-même, protéger sa personne du feu de l'enfer et protéger aussi les membres de sa famille du feu de l'enfer. Il ne suffit pas de protéger sa personne du feu de l'enfer, il est important aussi de protéger les autres. C'est là un devoir. Si on ne va pas le faire, eh bien, un jour, eux aussi, ils vont nous faire plonger. Ainsi, pour réformer ces actions, il faut réformer la famille tout entière et tout le monde doit faire des efforts concertés. Le chef de la famille a le rôle le plus important joué ici. Dans la plupart des cas, si l'on néglige la situation de sa femme et de ses enfants, ou si l'on éprouve un trop grand amour pour sa femme et ses enfants, si on les corrompt par son amour, eh bien cela devient un obstacle pour sa réforme. En sus de ces 8 points, il y a d'autres raisons, mais c'était là quelques points importants que je voulais mentionner et qui concernent la réforme. Si l'on réfléchit à ce sujet, l'on va constater que tous les obstacles qui concernent sa réforme sont dans ces 8 points que j'ai mentionnés. En bref, il y a ces obstacles qui sont là et qui empêchent l'homme de marcher sur la voie de Dieu. Ce sont des obstacles qui l'éloignent de Dieu. Si nous désirons nous réformer, eh bien nous devons être vigilants à ce sujet. Il ne suffit pas de parler à ce sujet. Il est important de suivre ces méthodes grâce auxquelles on va se réformer. Hadrat Muslim Aoud a cité l'exemple d'un grand conférencier de l'Europe. Ses conférences étaient très appréciées. Mais le seul problème, c'est que lorsqu'il parlait, lorsqu'il prononçait son discours, il montait, il baissait ses épaules. Les gens lui ont dit que vous savez très bien parler, mais en raison de vos mouvements avec vos épaules, eh bien, l'on se moque de vous. Il a fait beaucoup d'efforts pour se débarrasser de cette mauvaise habitude, mais il n'a pu le faire. En fin de compte, il a trouvé la solution. Il a fait pendre deux épées du plafond et les épées arrivaient jusqu'à son épaule. Et il s'est mis sous ses épées et il a commencé à faire ses répétitions, à s'entraîner pour ses discours. Lorsqu'il bougeait une épaule, eh bien, cette épaule touchait l'épée qui était à droite ou à gauche. Et après quelques jours, il s'est débarrassé de cette habitude. Ainsi, il faut trouver des moyens pour avoir cette habitude d'accomplir de bonnes œuvres.
afin que l'on soit poussé, l'on soit contraint à accomplir ses bonnes œuvres. Et pour cela, nous devons tous agir de concert. Dans chaque maison, on doit faire des efforts. Et dans chaque maison, chaque individu doit faire des efforts en ce sens. Et ces efforts, on ne pourra pas les faire sans sacrifice. On ne pourra pas le faire sans suivre cette méthode grâce auquel l'on pourra abandonner ses vices. Mais pour cela, on va devoir souffrir. Et il est important à tout un chacun de faire son analyse de conscience, de faire des sacrifices, de prendre une ferme résolution. Sinon, nous n'allons pas atteindre notre objectif. Le grand objectif pour lequel le Messie promis l'Islam a été envoyé. Il a été envoyé afin que nous puissions réformer nos croyances, nos doctrines et nos actions. Et il faut que nous atteignions la norme la plus élevée afin que personne ne nous pointe du doigt. Certes, comme je l'ai dit, dans le domaine des croyances et des doctrines, nous avons remporté une grande victoire. Et aujourd'hui, nos adversaires sont en train d'accepter ces mêmes croyances que nous les présentions auparavant et qu'ils rejetaient avec véhémence. Aujourd'hui, même certains de nos adversaires acceptent ces faits. Il y a ces musulmans qui disent que Hadrat Isa n'est pas monté au ciel ou qu'il ne va pas descendre du ciel. Quelle que soit la raison de leur déclaration, mais inconsciemment, les croyances de la Jamaat Ahmadiyya les ont coulé le bec et ils sont contraints d'accepter cela. Et aujourd'hui, il y a ces grands ulémas qui disent que ce djihad que l'on prône aujourd'hui, tout cela n'est que terrorisme et le djihad n'est pas permis aujourd'hui. Et que l'islam ne donne pas la permission d'accomplir de tels djihads. Ils peuvent présenter leurs arguments, mais c'est les enseignements de l'Ahmadiyya qui sont en train de les influencer. Mais lorsque nous regardons nos actions, en nous, nous constatons qu'il y a ces faiblesses, qu'il y a ces lacunes. Nous n'avons pas encore fait naître en nous cet esprit qui va nous accompagner, grâce auquel nous pourrons présenter au monde notre exemple. Un exemple après lequel personne ne pourra nier la supériorité de notre Jamaat. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas en train de mettre en pratique à 100% ces enseignements qui ont été présentés par l'islam pour notre réforme. Dans la plupart des cas, nous répétons ce que font les autres et nous sommes influencés par les autres. J'ai déjà cité quelques exemples ici. Et ainsi, au lieu de pouvoir influencer les autres, nous sommes en train d'imiter les autres. Nous commençons à répéter ce qu'ils font. Et dans certains cas, nous devons faire face à de grands embarras en raison des actions des nôtres. Ainsi, il est important de remporter la victoire dans ce domaine, dans le domaine des actions. Il est important de faire couler cette eau que nous avons reçue. Il ne faut pas gaspiller cette eau que nous avons reçue. Il faut faire couler cette eau dans ces rivières qui vont arroser les champs, qui vont arroser la terre et qui vont jouer un rôle positif. Il ne faut pas que cela soit comme cette eau qui est gaspillée. Et nous allons devoir fixer nos limites. Et nous allons devoir placer certaines restrictions sur nous-mêmes. Et c'est là que nous pourrons atteindre notre objectif. Certainement, nous avons fait de grands sacrifices pour renforcer les murs de nos doctrines, de nos croyances. Nous avons sacrifié notre temps, nos biens. Nous sommes en train de le faire. Nous sommes en train de sacrifier nos vies. Mais nous n'avons pas encore consacré toute notre attention concernant les actions. Le deuxième calife a présenté cet exemple. Il a dit que jusqu'à présent, nous n'avons bâti que deux murs qui concernent notre doctrine.
Il y a encore ces deux murs qui concernent les actions qu'on n'a pas encore bâties. C'est pour cette raison que des voleurs viennent et nous volent. Mais lorsqu'en résultat de ces sacrifices, nous allons compléter ces quatre murs, le voleur ne pourra pas entrer et le voleur n'aura pas d'issue. Ainsi, aujourd'hui, nous devons prendre la ferme résolution que nous allons sacrifier nos désirs. Nous allons sacrifier les désirs de nos femmes et de nos enfants et nous serons prêts à faire tout sacrifice grâce auquel nous allons renforcer nos quatre murs. Et grâce à ces actions, nous n'allons faire face à aucun embarras face aux autres. Et les voleurs ne pourront pas non plus entrer dans nos maisons pour nous voler. Que Dieu nous en accorde la possibilité. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.